Neutralisez Maître Splinter, maintenant! Je viens d'avoir une révélation terrifiante. Pendant toutes ces années, il retenait ses coups avec nous. Donnie ! Y'a que moi qui tape sur Mikey ! Maître, je vous en prie. Attendez. Allez, achève-le. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes Amato Yoshi. Donnie, rap, maintenant. S'il vous plaît, père, nous avons besoin de vous. Ne te laisse pas influencer par ce qu'il te dit, mon frère. Ta place est ici, avec moi. Ma place est et sera toujours auprès de mes fils. C'est la dernière fois qu'on avait affaire au comte Dracula. Je sais, son nom était roi des rats, mais le prochain, c'est moi qui le nomme. Maître, vous êtes sûr que tout va bien? Oui, tout va bien, Léo. Grâce à toi. Bon travail, mon fils. Vous avez eu un moment d'hésitation. Et comme vous le savez, quand on hésite, on est vulnérable. On s'est bien débrouillé, nous aussi, non? Oui, je suis fier de chacun de vous. Allez savoir, peut-être qu'un jour, notre niveau aux arts martiaux sera meilleur que le vôtre. N'oubliez jamais une chose. Tout ce que vous savez, c'est moi qui vous l'ai appris. En revanche, je ne vous ai pas appris tout ce que je sais. C'est bon de vous retrouver, Maître Splinter. Ce bruit ne me plaît pas trop. Peut-être que si on l'ignore, il partira. Il y en a un de nous qui l'ignore pas assez. Sauter ! Voyons, si je trafique les résistances... Je devrais pouvoir ouvrir cette porte. Donnie ! Monsieur O'Neill, n'oublie pas le gros lézard armé aux yeux globuleux ! Donatello l'appelle le Tritonateur. Tu lui as donné un nom sans m'en parler ! Tu lui as donné un nom sans m'en parler ! Il faut sortir de cette prison. Techniquement, c'est un centre de détention. La différence pas entre les deux... Donnie. Oh, pardon, monsieur O'Neill. Génial, maintenant, ils sont deux. J'ai besoin d'un petit coup de main. Que dirais-tu d'un grand coup de main?
bâtard! Tony, c'est pas le moment de vérifier tes emails! S'ils ont enfermé le tritonateur dans une cellule, c'est qu'il devait pas être commun! On dirait qu'il aime ça, dégommer les Krangs! Qui n'aime pas ça? Faut qu'on fasse marcher ces fichus boîtiers. Laisse faire. Raph, toi laisse faire. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Ouf, on l'a échappé belle. Séparons-nous. Denis, fais sortir Monsieur O'Neill d'ici. Vous en faites pas les gars, j'avais attaché ma ceinture. Allez, viens. Il est tout prêt. Amatozoshi, mes cauchemars ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. Parce que ce soir, tu vas enfin disparaître. Non, Saki, c'est moi qui mettrai un terme à tes cauchemars. Définitivement. J'aperçois l'immeuble. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard.
maître, non! Alors c'est comme ça que tu souhaites mourir, cher frère. Face contre terre comme un vulgaire animal. Viens, Saki. Mettons un terme à cette folie. Ouais! Bravo, maître! Vous l'avez vaincu! Ma famille. Attention! Splinter! Ça y est! Ton tour est venu, Yamato Yoshi! Meurs! Est venu, Shredder. J'avais donc tort. Je pensais que la mort de votre maître vous pousserait à prendre la fuite une fois de plus, de peur de m'affronter, de peur d'accepter votre destinée. Arrête de te la raconter, ça nous fera des vacances. Ouais, tu te crois fort, mais au final, c'est nous qui allons t'écrabouiller. Ce soir, on va en finir. Aucun effet. Je te tiens, Denis. Merci, April. Il faut que je retourne là-haut. Non, attends. Le feu s'est propagé partout et je manque de force pour t'y renvoyer. Vous êtes risible. Tous autant que vous êtes. Espèce de farce métallique ambulante! Imbécile!
C'était ton frère, et tu l'as tué. C'était ton frère, Saki, ton meilleur ami. Comment as-tu pu faire ça? Splinter était voué à devenir un rat répugnant. C'était sa destinée. Elle s'est finalement réalisée. Tu es devenu un monstre, un démon. Était-ce donc aussi ta destinée? Non. 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 Mais maintenant, tu vas mourir. Leonardo, il ne faut pas avoir peur. C'est pas vrai, je le crois pas. Léo! Il est... mort. Oh non! Non, c'est impossible! Léo! Frangin! Ceci est... la fin de Shredder. C'est la vérité, je ne suis pas le seul à les avoir vus. Ça me rappelle nos copains yokai qu'on s'inventait quand on était petits. Tu te souviens, Saki? Hey! Tu ne veux jamais me croire exactement comme Tang Shen! Qui t'a autorisé à parler d'elle? Tu ne te soucies pas de Shen, mais seulement du clan et de toi-même! Sors-nous de là! Désolé, je suis à court de bombes fumigènes! Sois sans crainte, Shen. Je vais définitivement régler leur compte à tous ces monstres! Il faut en profiter! C'est l'occasion de changer le futur et d'éliminer Shredder pour de bon! Non, Raph. Si on change le cours des choses, le futur pourrait être encore pire. Hajime. Je vous ai vu hier soir dans les bois, Tang Shen et toi. Qu'est-ce que tu lui as dit, hein? Ça ne te regarde pas, Yoshi. Si ça regarde Shen, ça me regarde. Assez! Comment peut-on aimer et haïr la même personne aussi férocement? Si ton vœu est de périr par ma main, mon frère, alors... qu'il en soit ainsi. Nous avons été élevés ensemble, Saki. Ne m'oblige pas à te combattre. Comment veux-tu faire autrement après tous ces mensonges et tout ce déshonneur assumé? Le déshonneur est pour toi. Tu as toujours été un être jaloux, calculateur, toujours rempli de haine. Vous
avez vu ça, les gars? Il y a le feu! Je t'en prie, mon frère! Ne me force pas à faire ça! Saki, le dojo va s'effondrer sur nous! Alors nous périrons tous les deux! Donc, Shen! Shen! Attends! Il faut trouver un moyen d'entrer! Arrête, je t'en supplie! À partir de maintenant, petite, c'est moi qui m'occuperai de toi. Je te nomme Karai. À présent, chère Tortue Ninja, vous allez éliminer Miyamoto Usagi. Surhumaine ne porte rien contre le pouvoir de ma chaîne magique. Enfant sacré. Tenez bon, Kintaro, je vais... Tu ne vas rien faire du tout, Ronin. Tous ces événements ont eu lieu parce que je les ai décidés. Mon intention était de faire en sorte que les tortues et toi vous enseigniez à Kintaro l'humilité, la compassion, mais aussi le courage, afin que puissent se manifester ses pouvoirs. En d'autres termes, vous l'avez transformé en hôte idéal. Pour m'accueillir. Pour vous accueillir. Alors c'est donc vrai? Oui. Oui, je suis immortel. Je me suis transporté de corps en corps au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais je sens que celui de l'enfant sacré sera le plus puissant de tous. Dieux ancestraux de la nouvelle aurore, entendez-moi! Je vous promets de vous servir pour l'éternité. Conférez-moi le pouvoir de transférer mon âme dans ce nouveau corps. Kono karada ni waga tamashi otsushitamae. Je me suis senti démoniaque l'espace d'un instant. On a été frappé par les pouvoirs spirituels de Kintaro avec une telle violence que... Ça a expulsé les démons qui étaient en nous. Oui, mais je doute que Jay soit au courant. Passez en mode maléfique avec vos yeux et suivez-moi. Oui. Emparez-vous de lui, cher disciple. Mais attendez avant d'en finir avec Usagi. Je veux qu'il assiste à l'accession au pouvoir suprême de votre maître. Très
Espèce de monstre! Chemin s'arrête ici. Aucune lame ne peut me vaincre. Aucun mortel ne peut me vaincre. À moi l'éternité. Je vais vivre à jamais. Non. Non. Vous croyez qu'il s'agit de... du fameux Shredder? Le Destructeur? Ouais, ça y ressemble. Je serais curieux de savoir pourquoi mon vieil ennemi juré a enseigné le ninjutsu à quatre tortues mutantes. Ce doit être une histoire fascinante, à n'en pas douter. Je laisserai peut-être l'un de vous vivre assez longtemps pour me la raconter. Ah oui? Faudra d'abord que tu nous attrapes, Mikey. À bientôt, gros blaireau. Oups. Autant pour moi, les gars. Raphaël! Léo! Dis-moi où se cache Splinter et je te promets une mort rapide. Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Xavier, Bradford. Hein? Vous avez tous eu énormément de chance. Je crois qu'on n'emploie pas ce mot de la même façon, maître. Rares sont ceux qui ont survécu à leur rencontre avec Shredder. Il est rapide, c'est pas croyable. Oui, on aurait dit qu'il était partout à la fois. Vous aviez raison de nous taxer d'arrogance ce matin, maître. Il y a des combats pour lesquels nous ne sommes pas encore prêts. Oui, sans doute. Mais il est temps de tourner la page. Shredder le Destructeur constitue une menace qu'il va nous falloir affronter. Alors préparez-vous, mes fils. Parce qu'à compter d'aujourd'hui,
Nous sommes en guerre. Bishop, non ! Auriez-vous besoin d'un petit coup de main ? Maître Splinter ! Il est venu avec du renfort ! Ouais ! Casey ! Hawking ! Les gars, vous mesurez tous pleinement l'extrême gravité de la situation, n'est-ce pas ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va leur botter le Crétacé ! Merci. Attention, les prises et passants. Mon Don Checo s'élance. Il va vous atomiser là. Brute épaisse. Mondo, pas touche à mon pote extraterrestre de malheur. Il faut les empêcher d'enclencher le générateur de trou noir. Slash, les arêtes ! Détruisez immédiatement cette machine ! Détruis l'arbre ! Je le retiens ! Là ! Pas une rayure ! Rien ! Ça perlote, d'autres vont venir en renfort. Non, ville créature d'un autre âge. Sale dinosaure. Cette bataille est terminée. Reconnaissez votre défaite. Laser Head. Quant à toi, petit insolent, tu vas venir avec moi. Mikey, Michelangelo. M'échapper. Je te traquerai sans relâche jusqu'à la fin. Es-tu prêt à affronter Shredder le Destructeur ? Non ! On se remplit ! Pas d'objection ! Oh!
Dites-moi où est Splinter et je vous laisserai en vie suffisamment longtemps pour assister à son trépas. Le revoilà! Il manquait plus que ça! Nandarewan. Suivez-moi! Léo, on te rejoindra plus tard! Mais... J'ai cru que je pouvais te faire confiance. J'ai cru que tu étais mon ami. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu ne vaux pas mieux que Shredder. Toi aussi, tu ne penses qu'à te venger. Tu as dit toi-même qu'il était dangereux. Pourquoi est-ce que tu l'as protégé? Je croyais qu'il te rendait dingue. C'est normal qu'il me rende dingue, puisque c'est mon père. C'est ton père? Shredder est ton père? Tu es la fille de Shredder? Il faut qu'on arrête cette soucoupe. Plus d'alliances qui tiennent. Tu voulais te venger? Tu vas être servi. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle le Destructeur. C'est une sorte de clone monstrueux de Shredder? Non, Mikey, je crois que c'est lui en personne. Qu'est-ce qu'on fait, Léo? On lui fonce dessus et on l'écrase. Allez dire à votre maître que j'ai récupéré ma fille. S'il désire lui dire adieu, qu'il nous retrouve là où je l'ai vaincu la dernière fois. Maître Splinter, attendez-nous! Vous n'entendez pas quelque chose? Oh non! Père! C'est un piège! Je ne t'abandonnerai pas! Attention derrière toi!
qui? Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis forgé un corps parfait, misérable rat. Crâne fureur, tu vas connaître la peur. Tu peux être fier de toi. À présent, tu es aussi monstrueux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je veux qu'elle assiste à ta défaite. Quand tu auras disparu, tu ne pourras plus contrôler son esprit. Karan se souviendra enfin que c'est moi qui l'ai élevé. Et que c'est grâce à moi qu'elle est devenue ce qu'elle est. J'ai tout sacrifié pour toi, mon enfant. Par amour pour toi, tu entends? Elle a raison. Tu es à présent un monstre de la tête aux pieds. Léo! Merci, Raph. Vite, dépêchons-nous. Tu es enfin à ma merci. Mon cauchemar est presque terminé. Plus jamais ton sale visage de rat ne viendra hanter mes nuits. Achève-moi. Vas-y. Mais Miwa vivra. Oui. Ma fille. À moi. Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive, mon sang? Saki, le mutagène est instable et ses effets incontrôlables. Tais-toi, méchant rat! Super Shredder est en train de dérouiller Maître Splinter! Suivez-moi! Tu dois m'écouter, Saki. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi! Oh non! Tu vas mourir. Toi d'abord, puis tous ceux que tu aimes. Maître, non ! C'est qui ? Nous mourrons ensemble ! Non ! Venez les gars, on se bouge de là! J'ai pas peur de toi! Bon, d'accord, j'ai peut-être un tout petit peu peur. C'est encore toi? Très bien, je vais mettre fin à ton petit jeu et à ta misérable existence. Tu es combatif, petit, mais j'ai assez perdu de temps avec toi! Quoi? Eh ouais, c'est nous! Super mêlé, ils ne doivent pas s'approcher de la cuve! Les gars, j'ai pas besoin de vous, j'ai la situation en main! Ah oui? Plus pour longtemps! Espèce de guignol, cours! Cours, Rabien, tu cours à le dernier hasard! Oh, la cacha! C'est fini, Shredder! Cette fois, tu t'en sortiras pas vivant. Je n'ai que faire de tes menaces ridicules, torté. Hé, le hockeyeur, viens ici que je te fasse la peau. Oh, d'accord, on va voir ça. J'avais une occasion unique d'impressionner Maître Shredder et de travailler pour lui. Et tu es venu tout gâcher. Oh, arrête, s'il te plaît, tu vas me faire pleurer.
Des produits chimiques? Ça doit être ici que sont stockés les additifs qu'on trouve dans les apéritifs de Mikey. Si j'arrive à contaminer la préparation de Shredder... Oh, Donatello, j'aime ton intelligence. Qu'est-ce que tu fais, la tortue? Tu parles tout seul comme un tordé? Tu dois apprendre à contrôler ta colère. Apprends à contrôler ça, gros matou. Dans la cuve de mélange. Gangalak! À plus tard, bouffon. Je veux dire, Pan. Arrêtez-le. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Adios, Fish Face! Il tire... Et il marque! Non! Bande d'inconscients! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Tony? C'est l'ingrédient secret des boules soufflées au fromage de Mikey. Trop fort! Attends voir qui peut répéter. Fichons le camp d'ici! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lâchez-la tout de suite! Je crois que j'ai vomi dans ma bouche. Courez! À la grange! Vite! Casey, dépêche-toi! Toujours désiré, n'est-ce pas?
Y a plus qu'à l'empêcher de tout faire sauter. On sait. Vous croyez être débarrassé de nous, bande de dégénérés? C'est raté. On a réussi à en désactiver une autre. Peine perdue. J'ai posé la troisième bombe dans le tout premier univers des tortues ninja. Et quand ces premières tortues seront détruites, vous subirez toutes le même sort. Donnie 1 et 2, foncez là-bas. Tac. Waouh! Ça alors, regarde, où est-ce qu'on a atterri? Krang a dit que c'était le tout premier univers des tortues. Il a dû être créé avant nos deux mondes. L'antenne de télé doit être par là. Pas une minute à perdre, on fonce! Ce sont les premières tortues. Salut les gars, vous nous reconnaissez? On est... Laisse tomber, pas le temps, magne-toi! La voilà! Rendez-vous dans un autre monde, les gars! C'est bon, on l'a, on peut y aller. Oh yeah, on s'arrache. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, misérable. Je vous le garantis. Oh non, retour à la case départ. Comment on se retrouve cette fois? Vous êtes fait, maudit reptile. C'est exact. Vous n'irez nulle part tant que j'aurai ce petit bijou. Grâce à lui, je peux pirater votre projecteur de portail comme je veux. Ah. Oh, Krang. Tu peux dire adieu à ton plan diabolique, Krang. On a désactivé tes trois transdimensionneurs. C'est terminé, tu as échoué. Ouais, t'as voulu faire exploser la Terre, mais c'est nous qui allons t'exploser la figure. Exploser la Terre? Mais enfin, c'est absurde. C'était ça ton plan génial? Tu as essayé d'anéantir des mondes qu'on essaie de coloniser depuis des milliers et des milliers d'années? Tu es complètement fou! Ben quoi? J'ai rien inventé, tu m'as demandé de supprimer les tortues à tout prix. C'est exactement pour ça que je m'étais débarrassé de toi en t'envoyant sur la Terre en deux dimensions! Parce que tu es un crétin! Une triple andouille! Un abruti fini! Et devine quoi, imbécile? Je vais te renvoyer là d'où tu viens! Non! Pitié, pas ça! Je vais vous supprimer moi-même! Je ne veux plus voir une seule tortue de ma vie! On va se le faire, le gros chewing-gum mâchouillé, avec plaisir! Découvre, frérot! Hey, joli coup, Raphaël! J'en ai assez de ce blaireau! Tortue en force! Ça sent pas bon, tout ça! Descends là! Non! Oh yeah! On se fait une petite partie de Grand Michelangelo! Arrête ça tout de suite, bande de malades! Y'a qu'à ça! Non, je déteste le noir et blanc! Eh ben, on en est venu à bout du gros tout mou. Leonardo, adieu. Et merci pour tout. C'est moi qui te remercie. Si vous n'aviez pas été là, on était tous condamnés à disparaître. Allez, venez les gars, on rentre à la maison. En avant les gars, on a du boulot! Je suis entouré de feignasses et d'incompétents! Allez, bougez-vous plus vite! Attrapez-les! Hé les gars, regardez ça!
L'attaque des mutanimaux crée une diversion parfaite. Ils s'occupent des Krang et nous, on arrête le missile. Tu vois, Léo, on est fait pour travailler ensemble. Par le pouvoir de mon esprit! N'y pense même pas! D'après les données de Kurtzman, les commandes de guidage du missile répondent à un code binaire. Les gars, d'après vous, qu'est-ce qui est encore pire qu'un Krang? Des Krang volants! Vite, il faut couvrir Denis! Almatègre! Gobalou! Personne ne se met en travers de la route de Krang second! À présent, lançons ce petit bijou! Les humains hybrides, Donatello. Et le portail n'est pas activé. Donne-moi une seconde, Léo. Le rétromutagène n'est pas vrai. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe, Denis? Au rapport! Comme je vous l'ai dit, le technodrome fonctionne grâce au mutagène. Ah! Mais les moteurs et le rétromutagène ne sont pas compatibles! Je sais ce qu'il faut faire! Modifier les paramètres du convertisseur de carburant et y ajouter les réglages du défibrillatron. Et voilà! Mikey, tu es... un génie, oui, je sais déjà... En train de perdre du temps! Fais avancer cette machine! On a des humains à les sauver! Coucou, me revoilà! Maintenant, on doit activer le portail. Denis, appelle les mutanimaux. Docteur Rockwell? Doc, vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Génial! Si les mutanimaux n'activent pas le portail, alors on n'a plus qu'à annuler la mission entière. Oui, et notre retour sur Terre. Bon alors, c'est pour bientôt! Voyons voir, est-il possible de transformer le portail en un rayon tridimensionnel à coordonnées spatio-temporelles? Voilà, c'est bon. Le portail fonctionne. Oui, on a réussi. Donatello, le portail est opérationnel. Dans 30 secondes, vous serez tous téléportés. J'entre nos coordonnées. Ça risque de prendre du temps avec 5 dimensions. Ils sont là, les hybrides. Oh non, vous voyez ce que je vois? On les force à travailler comme les hommes fourmis dans Crognard. Oui, et bien plus pour longtemps. Parez pour le rétro-mutagène, Raph. Oui, prêt à faire feu. Alors, feu! Dis donc, tu débrouilles pas de mal, hein? On n'est pas encore sortis de l'auberge. Je serai bientôt de l'autre côté, les tortues. Dans peu de temps, vos délicieuses petites carapaces seront à moi. Denis, il faut qu'on téléporte ces humains maintenant. Oui, je m'en occupe.
a marché! On a transformé une machine de transport multidimensionnel en un engin de téléportation! Désolé, j'ai rien compris, mais c'est sûrement bon signe, non? C'est comme ça qu'on rentre au bercail! La téléportation, y'a que ça de vrai! Tu sais, comme dans les héros de l'espace! Pas question, je ne veux pas qu'on défragmente mes particules! Surprise! Eh bien, vous aviez oublié que j'étais là! Ok, Tony, tu peux me défragmenter! Éliminez ceux que l'on nomme les tortues! Léo, fais ce que tu fais pour les retenir! Je recommande, je peux pas tout faire! Les retenir, d'accord, mais comment? Oui! Oui, en voilà une excellente question! Comment? Raph, il nous reste plus qu'un îlot à faire, c'est bon? On aura assez de rétromutagène. À peine 10%. Ça y est, il n'y a plus d'hybride à transformer. J'envoie nos coordonnées maintenant. C'est fait. Allez, sortez-nous de là, Rockwell. Bien reçu. Léo! Vous êtes fini, saleté de tortue. Fini! Non, c'est impossible. Non! J'étais tellement près du but cette fois. Tellement près du but! La fête est terminée, tête de pizza! Tête de pizza? Oh, c'est bien trouvé, parce que j'ai une pizza à la place de la tête. Yeah! Attrapez-la! Hé, hey, les gars, reprenez vos esprits! Yeah. Oups, désolé, Denis. Yeah. Oh mince, désolé, Léo. Yeah. Bien fait pour toi, Raph. On se calme, maître. Attendez. Le seul moyen de gagner la partie, c'est de battre le boss. Approche, petit, on va rigoler. Game over. Tortue, que le festin commence. Oh oui, elle a l'air délicieuse. Non, il va tous les manger. Oh, j'ai échoué. Le seul moyen de me sortir de là, c'est de faire fonctionner mes mâchoires. Attends, mamma mia, qu'est-ce que tu fabriques? Non, ne fais pas ça! Bouillagacha! Oh, j'adore les boulettes de tortue! Non! Non! Non, non, non! Bouillagacha! Bouillagacha!